Non, non, je donne le signal, ok? Bon. On est en direct, vous pouvez commencer. Welcome everyone to this public meeting for a zoning amendment. Today, November the 4th, 2021, and it's now 6:02. I will do the round for quorum. I will call every individual by name. Please announce your presence. Mr. Chamaillard? Present. Merci. Monsieur Lefebvre? Present. Monsieur Paquette? Present. Monsieur Bogue? Present. Monsieur Campbell? Present. Merci, on a le quorum. Merci beaucoup. L'ouverture de la réunion, ça prend un proposeur. Monsieur Chamaillard, secondé par Monsieur Paquette, tout en faveur. Merci beaucoup. Adoption d'ordre de jour, proposeur aussi. Ah, Madame Longtemps, oui, point d'ordre. Déclaration de conflit d'intérêt. Who does? Vous l'avez sauté, la déclaration de conflit d'intérêt, désolé. Ah, excuse-moi. J'essaie de soulever le. Pour moi, c'est la prochaine étape numéro 3. Numéro 2, c'est adoption d'ordre du jour. C'est correct. Est-ce qu'on a des conflits d'intérêt? Aucun conflit. Merci beaucoup. Maintenant, adoption d'ordre du jour, proposeur. Monsieur Lefebvre, secondé par Monsieur Beau. Merci beaucoup. Numéro 4, l'amendement au règlement de zonage. Take notice that the Municipal Council of the Corporation of the Town of Hawkesbury will hold a public meeting on Thursday, November the 4th, virtually in order to consider a proposed amendment to zoning bylaw number 20-2018 under section 34 of the Planning Act. Purpose of this application is to rezone said property from residential zone 2, R2, to residential zone 4, R4, to allow a reduction in the required distance between the entrance and the north property line from 1.5 meters to 0.5 meters and to reduce the minimum percentage of landscaped space required from 30% to 26.6% of the land area. This project aims to reuse the existing building, formerly a school, to build 17 apartment units housing. The application for the zoning bylaw 20-2018 amendment will be specific to the eastern portion of the property located at 290 Champlain Street, described as Lot 6, Broken Front in the town of Hawkesbury, Prescott County. Madame Cordonnier, si tu veux prendre la parole, tu peux nous informer la prochaine étape. Merci. On va juste laisser Madame Longtemps lire la déclaration officielle des réunions publiques avant de présenter la demande. C'est parfait. Madame Longtemps. Cette réunion publique est requise par la loi sur l'aménagement du territoire et a pour objectif de donner une opportunité aux personnes de faire entendre leurs commentaires et préoccupations concernant la proposition d'amendement au règlement de zonage. Si une personne ou un organisme public avait par ailleurs la capacité d'interjeter appel de la décision du conseil municipal de la ville de Hawkesbury devant le tribunal d'appel de l'aménagement local, mais que la personne ou l'organisme public ne présente pas d'observation orale lors d'une réunion publique ou ne présente pas d'observation écrite à la ville de Hawkesbury avant l'adoption du règlement municipal, la personne ou l'organisme public n'a pas le droit d'interjeter appel à la décision. Si une personne ou un organisme public ne présente pas d'observation orale lors d'une réunion publique ou ne présente pas d'observation écrite à la ville de Hawkesbury avant l'adoption du règlement municipal, la personne ou l'organisme public ne peut pas être joint en tant que partie à l'audition d'un appel dont est saisi le tribunal d'appel de l'aménagement local, à moins qu'il n'existe de l'avis de ce dernier des motifs raisonnables de le faire. Aucune personne ni aucun organisme public ne doit être joint en tant qu'une partie à l'audition de l'appel, sauf si, avant l'adoption du règlement municipal, la personne ou l'organisme public a présenté des observations orales lors d'une réunion publique ou présenté des observations écrites au conseil ou qu'il existe de l'avis du tribunal des motifs raisonnables de le faire. Seuls les particuliers, les personnes morales et les organismes publics peuvent interjeter appel d'un règlement municipal devant le tribunal d'appel de l'aménagement local. Les associations ou les groupes sans personnalité morale ne peuvent pas déposer d'avis d'appel. Toutefois, un avis d'appel peut être déposé au nom d'un particulier qui est membre de l'association ou du groupe pour le compte de l'un ou de l'autre. Merci. Merci beaucoup.
Merci. Je vais donc procéder à la présentation du projet qui va être assez rapide. C'est un document qui est en ligne, disponible sur le site de la ville dans la section réunion publique. Donc cette demande d'amendement au zonage, elle consiste en un rezonage de la zone R2 à la zone R4 pour permettre la reconversion d'un bâtiment qui était anciennement une école, en un bâtiment multi-logement pour proposer 17 appartements locatifs. La demande, elle concerne aussi une réduction une réduction de l'espace entre la voie d'accès et la ligne de propriété au nord du terrain de 1,5 m à 0,5 m, ainsi qu'une réduction du pourcentage d'espace paysager requis de 30% à 26,6% de la superficie de la propriété. Donc ici, on peut voir où se trouve la propriété concernée. Elle se trouve sur la rue Champlain et elle fait face à la rue Champlain. Elle est proche de la rue principale et de l'avenue Lansdowne. Au nord du site, on retrouve un quartier résidentiel composé majoritairement de maisons unifamiliales. Puis plus au nord, on va retrouver l'axe commercial comme mentionné. Les commerces qui sont présents sont des commerces locaux et composent une offre commerciale pour le secteur. À l'est du site, on retrouve encore le quartier résidentiel. Les logements, le type de logement varie entre des maisons unifamiliales et des duplex. Au sud du site, l'espace est encore résidentiel, mais à partir de la rue Lansdowne, on retrouve d'autres commerces locaux. Plus au sud encore, sur la rue Aberdeen, on retrouve le début du centre industriel d'EG. Et puis plus loin, quand on continue ce centre industriel, on retrouve des industries plus lourdes. À l'ouest, directement adjacent au terrain sujet à la demande, on retrouve un bâtiment de grande superficie utilisé comme un commerce local sur la rue Bertha. On trouve d'autres commerces locaux tels que des centres de taxi et des bureaux. Donc la déclaration de principe provinciale, elle donne comme orientation de proposer des formes efficientes d'aménagement et d'utilisation du sol qui soutiennent l'habitabilité financière du secteur. Également, l'intégration de l'aménagement du territoire par la densification. Donc ça, c'est deux orientations auxquelles le projet répond. Puis, on a aussi cette orientation qui parle plus de densification encore plus précisément avec le concept de infill en anglais qui est de réutiliser des espaces vacants. Notre plan officiel de la ville, il indique déjà que cette propriété, elle est située dans le secteur des politiques résidentielles. Donc, le projet qui est résidentiel est conforme au plan officiel. Puis finalement, le règlement de zonage, il doit être amendé pour permettre ce qui a été expliqué plus tôt. Donc ici, on a un tableau qui représente la conformité au règlement de zonage. Donc on peut voir que l'élément non conforme par rapport aux normes d'implantation d'un appartement, c'est celui qui concerne l'espace paysager, pardon, qui est réduit à 26,6% de la surface du terrain au lieu de 30%. Puis au niveau des stationnements, les normes sont respectées. Finalement, ici, on a le plan d'implantation proposé par le propriétaire. Puis on voit qu'il y aura une voie qui fait le tour du bâtiment avec des stationnements tout autour du bâtiment. Je ne sais pas si je l'ai mentionné, mais le bâtiment à l'extérieur va rester pareil. Ça va vraiment être un projet qui va se passer à l'intérieur du bâtiment. Puis cette demande, elle a été reçue le 9 septembre 2021. On a fait une circulation des plans en septembre. Puis l'avis de réunion publique, il a été envoyé le 14 octobre 2021. Finalement, le 29 novembre, on va présenter la recommandation au Conseil pour adopter ou non cette demande d'amendement au zonage. Puis suite à cela, l'avis d'adoption ou de refus de la demande sera publié. À partir de la publication de cet avis, il y aura 20 jours de délai d'appel pour lesquels les personnes qui sont admissibles pourront faire appel. C'est la fin de ma présentation. Je vous remercie. Merci, Mme Cordonnier, pour la présentation. Est-ce qu'on a des questions des membres de conseil ou de la public? Des questions ou des commentaires aussi? On peut-tu donner des commentaires maintenant? Oui, absolument. OK. Allez-y. Donc, moi, ils vont lire mes commentaires parce que j'ai déjà écrit. Ça prend juste votre nom, puis je pense qu'il
qu'il faut votre adresse aussi parce que ça prend, c'est supposé d'être une résidente d'Hawkesbury. Oui, alors c'est Joanne Marion au 263 Champlain. C'est parfait. J'ai déjà écrit une lettre en ce qui concerne la circulation, que je trouve que c'est dangereux. Puis 17 appartements, c'est déjà 17 voitures à part des visiteurs. Puis c'est rare que les personnes aient seulement une voiture. Et puis, quand l'école était là, on a dû faire un trottoir parce que c'était très dangereux la circulation. Les parents qui venaient chercher les enfants à l'école, puis la plupart étaient à pied déjà. Donc, j'ai beaucoup de difficultés à voir qu'il y a seulement une entrée à laquelle ils vont pouvoir, les voitures vont pouvoir circuler sur la rue Champlain. Puis déjà qu'en sortant, si tu sors de la rue Champlain pour tourner sur la rue principale, c'est très difficile d'accès. Puis ça, d'autres voisins ont mentionné ça aussi. Alors ça, c'est un des points de vue que moi j'apporte avec ça. C'est un secteur qui est tranquille, c'est plusieurs personnes vulnérables qui n'ont pas accès à l'Internet ou ne savent même pas qu'est-ce qui se passe avec le zonage, ils ne comprennent pas c'est quoi. Ça a tout le temps été un quartier assez calme. Fait que je trouve que 17 appartements, c'est beaucoup. L'autre chose, j'ai plusieurs points de vue négatifs. Malheureusement, à comparer les points de vue positifs et notre secteur, on ne sait pas à quoi s'attendre. Les 17 logements, est-ce que ça va être pour des personnes en difficulté ou comment est-ce que c'est organisé? C'est-tu Ontario Housing qui va être là? Ça va être des appartements subventionnés ou quelque chose comme ça parce que l'évaluation de nos propriétés, on va perdre la valeur dessus aussi, je crois. Pour l'instant, c'est ça. Merci pour votre commentaire. Madame Cordonnier, qu'est-ce que quelque chose à ajouter ou Monsieur Paquet? Non. OK, parfait. Monsieur Paquet, oui? Oui, peut-être que Monsieur Ashley peut répondre à savoir si c'est des logements abordables ou si c'est des logements low income qu'on appelle. C'est le projet de M. Tony Ashley. Donc, il pourrait certainement répondre à certaines questions de la personne en question, là, parce que c'est des bonnes questions qu'on a eues, puis ça serait réenchissant de savoir exactement dans quelle destination ces 11 appartements-là ça irait dans quelle direction. Oui, effectivement. Merci, M. Paquette. Donc, le projet, on parle de 17 appartements résidentiels. On parle de, la plupart, ça va être des chambres à coucher. La clientèle visée, c'est principalement, je dirais 50 ans et plus. Puis, des couples, principalement. On a étudié la possibilité du logement abordable, mais au point de vue financier ou viabilité du projet, c'est devenu très compliqué parce que avec les coûts de construction qui sont à la hausse, il y a très peu de programmes présentement qui sont propices à favoriser un genre de développement pour du logement abordable, étant donné les restrictions au niveau de montant des loyers qu'on peut charger dans un tel programme. par rapport avec les commentaires de Mme Marion, c'est certainement des bons commentaires, puis je vais essayer de répondre le mieux que je peux. Donc, la première inquiétude était au niveau de la circulation du trafic. Ce que j'ai pu comprendre, c'est que Mme Marion était présente lorsque la propriété était une école. Donc, je suis certain, à ce moment-là, il y avait plusieurs voitures au niveau des professeurs. Je pense qu'il y a 12 classes dans cette école-là anciennement. Donc, si on met une moyenne de 20 élèves par classe, on parle de 240 élèves.
On parle de peut-être entre 5 et 10 autobus par jour, soir et matin, en plus des voitures, en plus des voitures, les professeurs ou les parents qui apportaient les élèves directement à l'école. Donc, je pense que notre projet ne va pas amener plus de problématiques de ce que l'école apportait dans le passé. J'ose espérer que la clientèle qu'on cible, étant des 50 ans et plus, des couples, je pense que ce n'est pas des gens qui vont faire le fou là, en voiture, mais ils vont faire de la vitesse dans un secteur résidentiel. Je pense que ça, c'est important, parce que je suis un peu d'accord aussi. Là, tu sais, le sortir de la rue Cameron, surtout au coin Cameron, pas Cameron, pardon, sur la rue principale, surtout au coin Cameron, qui a toujours été difficile. Champlain, non, excusez-moi, mais on parle de la rue Champlain, là. Oui, je suis d'accord. Sur la rue Cameron, là. Oui, non, je suis d'accord. Je veux juste dire, moi, mon expérience, je ne passe pas souvent sur la rue Champlain, donc je ne peux pas me comparer à vous qui vivez là. Mais mon expérience sur la rue Cameron, je suis d'accord que le trafic est plus difficile, puis surtout que c'est dans une courbe, donc on voit moins les voitures arriver. Donc, mais mon point au niveau de la circulation, je ne pense pas que ça va être amplifié plus que qu'est-ce que ça l'était au moment de l'école. Bien, moi, je vais te permettre. Avant, il y avait 12 classes, puis c'était tous des élèves qui étaient autour. Maintenant, les professeurs, c'est 12 professeurs et un directeur. C'est pas 17 personnes en couple, qui est 34 personnes, avec des voitures. Puis 50 ans et plus, est-ce que tu as le droit de louer comme tu sais, les propriétaires, des fois, il y en a qui disent ah ben, on ne veut pas avoir d'animaux. Est-ce que 50 ans et plus, c'est la même chose? Y a-t-il un règlement? Sur les oui. Appartements comme ça que on loue pas en bas de 50 ans? Non, je pense pas qu'il y a un règlement municipal. Je pense que c'est plutôt, même au niveau des appartements, il n'y a pas de loi à ma connaissance qui empêche les locataires d'avoir des animaux. C'est plutôt un choix du propriétaire du bâtiment. Donc, est-ce que le propriétaire du bâtiment peut exiger que ce soit seulement 50 ans et plus? Oui. C'est le marché qu'on cible. Donc, non, c'est le marché que vous ciblez, mais est-ce que, moi je demande s'il y a une loi qui dit que vous pouvez demander seulement 50 ans et plus? Pas à ma connaissance. C'est ça. Exactement ça. Puis la circulation sur Cameron, si tu veux parler de Cameron, est moins dangereuse que sur Champlain. Puis si tu rajoutes 34 personnes, puis tu as deux chambres à coucher par logis, ça commence à faire du monde. Plus les visiteurs, même en été, moi je reçois, puis j'ai de la misère à avoir le stationnement en avant de ma propre maison. Puis Madame Mire est ici, puis est d'accord avec ça aussi. Fait que, puis c'est 24 heures sur 24, c'est pas une école. Une école, ça dure 7 heures de temps. Puis l'été, on n'en a pas. Donc là, ça serait à temps plein. Merci pour votre commentaire. Avec une école, c'est sûr que tous les autobus sont là à la même temps. Comme ça, il y a plus du trafic dans une bout de temps, comme le matin puis le soir. Comme s'il y a du monde qui habite là, ça va être plus toute la journée, ça ne va pas être tout en même temps. Ça se peut qu'une personne y part à 9h, l'autre personne à 3h, etc. Il y avait un autobus seulement. Puis okay. Pendant 7 heures de temps, là. Puis c'était tous des enfants qui étaient autour, donc les parents étaient marcheurs. Il y avait seulement un autobus qui allait.
c'est un problème. OK. Mais merci pour ça. C'est pour ça qu'on essaie de faire en trottoir le conseil d'école. J'étais sur le conseil à ce moment-là. Bon, merci pour la clarification. Je n'étais pas au courant. Est-ce qu'on a d'autres commentaires? Ou est-ce que vous avez d'autres commentaires aussi? C'est le temps de les faire. Ben, moi, j'aurais une autre réponse. Si Mme Marion avait fait un autre commentaire par rapport avec le mentionné Ontario Housing, j'imagine que ça, ça faisait référence avec le logement abordable. Puis je pense qu'il y avait une inquiétude au niveau des pertes de valeur de la propriété qui sont alentour. Absolument, Mme aussi. Oui. De notre côté, évidemment, on cherche à investir et améliorer la structure ou la propriété qui est là présentement. Présentement, comme vous le savez, le bâtiment est vacant, il est en ruine. Et puis, donc, on va investir quand même des bons montants dans le projet. C'est un projet qui est bien. Puis, à mon avis, s'il y a quelque chose, c'est que les propriétés alentour vont augmenter en valeur maintenant que cette propriété va être rehaussée. Malheureusement, j'ai fait faire une évaluation cette semaine de ma maison. Puis j'ai demandé la question à un agent d'immeuble. Puis si c'est en ruine, puis que vous gardez la même façade, je ne comprends pas, là. Ça, en tout cas, ça peut être votre opinion, là. Pas juste la mienne, là, monsieur. Oui, correct. Selon nous, selon notre expérience, c'est quand il y a des projets de construction, puis qu'il y a des rénovations, puis il y a un rehaussement de l'image de la propriété, ça augmente la valeur de la propriété et des propriétés avoisinantes. C'est mon expérience. Ça va aussi aider sur une base un petit peu plus large à maintenir le taux de taxation dans la ville d'Hawkesbury à un montant. C'est certain que ce n'est pas le seul projet qui va faire ça, mais plus qu'on a de nouveaux projets, c'est sûr que les niveaux des taxes sont moins portés à augmenter. Donc ça peut, c'est un autre côté qui est positif. Oui, M. Paquette, un commentaire? Oui, juste un commentaire. Étant donné que je suis le président du comité de logement abordable, pour rassurer Mme Marion, c'est que chose est certaine, c'est qu'il n'y a pas de promoteur dans la ville d'Hawkesbury qui est prêt à faire du logement abordable au moment où on se parle, je dis bien au moment où on se parle, à cause qu'il n'y a pas de programme gouvernemental tant du côté du fédéral ou du côté provincial. Pour venir à bout de faire du logement abordable, ça prend l'aide gouvernementale parce qu'il n'y a pas personne qui peut construire quoi que ce soit dans la ville d'Hawkesbury ou ailleurs, puis dire, regarde, je vais louer mon appartement à 875 $. C'est pratiquement impossible parce que le promoteur ou le constructeur, il ne pourra même pas faire son financement à la banque si on veut comme ça. Donc, je pense que sans dire que je suis pour ou contre, j'ai des choses à vérifier, mais je peux rassurer Mme Marion, comme j'ai dit, étant sur le comité de logement abordable, ça ne sera pas du logement abordable. Ça ne sera pas du Ontario Housing non plus. Ontario Housing, normalement, c'est géré par les comtés du comté unis de Prescott Russell. Merci pour votre commentaire, M. Paquet. Oui, mon mari a une question pour vous. Vas-y, Jacques. Oui. Est-ce que vous avez déjà vu ça, 17 logis en deux maisons résidentielles dans la ville d'Hawkesbury? Je ne pense pas, moi. Je n'ai jamais vu ça. Non, vous avez entièrement raison, monsieur. Dans la ville d'Hawkesbury, on ne voit pas ça. C'est pas courant. Puis, comme je vous ai dit, je ne dis pas que je suis pour ou contre le projet. J'ai d'autres choses à faire avant le 29 novembre. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que des logements dans des grandes villes, entre des résidences, ça existe. On n'est pas une grande ville. Je suis entièrement d'accord avec vous. Mais par contre, il faut aussi regarder le manque de logements qu'on a dans notre ville. Il faut aussi regarder beaucoup de choses
On est en pénurie depuis la COVID. Il y a du monde qui déménage en dehors de la ville d'Hawkesbury parce qu'il n'y a pas de place ici. C'est toutes des choses à considérer. Je n'ai pas vu les plans de M. Astley selon son projet. Mais par contre, je connais un peu M. Astley, puis je suis convaincu qu'il peut faire quelque chose d'assez bien, ou très bien même. Mais comme je vous dis, je n'ai encore pas décidé sur ma décision. Je ne prends aucune décision avant de réfléchir puis suite à vos commentaires. Mais je peux vous rassurer que ce ne sera pas du logement abordable, ce ne sera pas du Ontario Housing. Oui, et vous êtes conseiller, vous, hein? Oui. OK. Ça pourrait être ça, toi, un 17 logis en avant chez vous? Ça dépend toujours des conditions puis de quoi le plan aurait l'air, la structure ben là, comme telle. Puis il me dit que c'est en ruine. C'est assez dur à comprendre, hein, quelque part? Ben, c'est en ruine, mais quand le projet va être fini, fort probablement que ça va avoir pas mal plus d'allure que ça a l'air, là. Parce que là, pour dire un peu comme M. Vassy a dit, vos maisons, là, ils ne m'ont pas vraiment pour augmenter parce que ça a l'air d'une dope, là. L'herbe est comme pas coupée, puis il y a de l'herbe à poux, puis ben, je pense que c'est de l'herbe à poux, je suis horticulteur, mais... Je pense qu'il faudrait que tu puisses faire un tour pour voir, parce qu'il n'y a pas d'herbe à poux là, puis c'est non, pas... Non, mais je dis de l'herbe à poux, madame, mais ça ne veut pas dire que c'est de l'herbe à poux, mais c'est de la grande herbe, c'est entretenu saut, c'est pas entretenu comme si c'était un beau projet nouveau, puis tout rénové, là. C'est tout ce que je dis, là. Ben, c'est parce que de la façon que tu dis ça, je ne sais pas, mais je pense que tu ne l'as pas vu, la cour. Parce que ça va être toujours le même carré de maison, là, c'est sûr et certain. C'est comme un L. C'est certain, ça va être la même affaire. Ben oui. Ben, tu sais. Tu ne peux pas changer les blocs de ciment, ça va rester les blocs de ciment. Ah non, non, ça c'est sûr. Écoutez, c'est comme je vous ai dit, je n'ai pas vu les plans de M. Astley, donc je ne peux pas vous dire s'il y a des changements de structure ou pas, je ne l'ai pas vu. Mais tu ne l'as pas vu, mais il faudrait que tu viennes faire un tour dans le cours d'école, puis peut-être venir voir que ça a l'air en avant de dire que c'est en ruine, puis qu'il y a de l'herbe partout, puis tout ça, parce qu'on reste en avant, là. N'oubliez pas qu'on n'est pas ici pour décider aujourd'hui, on est ici aujourd'hui pour prendre votre commentaire, puis on va utiliser votre commentaire pour faire notre décision. C'est exactement ça qu'on est ici pour aujourd'hui. Oui, M. Lefebvre. Oui, merci, M. Tiranakis. C'est une question à Mme Condagné. Je veux juste m'assurer que le propriété, si le développement allait d'avant, il serait sujet au plan d'implantation. En autre mot, il y aurait des commentaires faits et comment que c'est disposé à l'extérieur et d'autres choses. Alors, je veux juste confirmer si ce changement-là, s'il va d'avant, il serait sujet à un plan d'implantation. Oui, merci pour votre question, M. Lefebvre. En effet, ce projet va être sujet au règlement de plan d'implantation puisque c'est un projet qui propose un bâtiment avec plus de 4 unités. Cette entente, elle va réglementer tout ce qui est le stockage de la neige en hiver, le stockage des déchets, puis les assurances, plein de façons, ben, toutes les façons qui doivent gérer les espaces communs. Et également, ça, on va s'assurer avec des plans de drainage et des plans d'ingénieurs qu'il n'y a pas d'impact sur les propriétés avoisinantes. Cependant, le bâtiment est existant. Donc, ça va être une entente un peu plus facile à faire, on va dire, puisqu'il y aura moins de choses à prendre en compte au niveau de l'ingénierie, mais ça va être réglementé tout ce qui est des espaces communs. Donc, oui, ça va être contrôlé. C'est ça que vous m'assurez parce que vous avez la chance de, avec les propriétaires, d'exiger avant que ce soit fait, d'avoir un plan d'implantation qui quand même respecte l'entourage et l'avoisinage du quartier. Merci, Mme Condagné. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a d'autres commentaires, d'autres conseillers ou membres du public? Je pense qu'on n'a pas. La seule chose, M. Tsounakis, si vous me permettez, c'est que la raison de mes commentaires, c'est pour être capable de prendre une décision éclairée. Je prends en considération les commentaires de tous les gens. Je prends aussi en considération les commentaires de Mme Cordonnier, M. Astley. Et à partir de là, ça va être une décision que je vais prendre. Mais
je veux pas commencer à m'obstiner sur des n'importe quoi, l'arbapou, je dis de l'arbapou, c'est pas, tout ce que je dis, c'est que c'est toujours bien pas entretenu avec des fleurs ou des arbustes, là. C'est tout ce que je voulais dire. Là. Merci pour la clarification. Oui, Monsieur Asley? J'ai pas de plan en couleur, mais j'ai un plan d'élévation en noir et blanc que je peux peut-être vous partager rapidement si vous êtes intéressé à voir, juste voir la, un petit peu la façade de qu'est-ce que ça peut avoir l'air. Puis aussi, sur le boulevard Cartier, si je ne me trompe pas, pas tellement loin de l'aréna, il y a un bloc appartement, là, je crois, de quelques logis, 6 logis, je pense, je ne sais pas, qui a une structure un petit peu plus élevée entre des unités résidentielles. Donc, je voulais juste faire cette mention-là. Là. Je ne sais pas si vous voulez que je vous partage mon écran, puis je vous montre le plan. Ou... Si tu peux faire facilement maintenant, oui, on est prêt de le voir, M. Astley. M. Astley? Oui, madame. C'est Mme Marion, encore. Oui, Mme Marion. Je parle dans le projet quartier, 6 appartements, mais là, c'est 3 x 6. 17 appartements, c'est 3 x la grosseur. Oui, mais le bâtiment, il est là. Oui. Je ne sais pas si vous êtes capable de voir. Oui, on le voit. OK, ça vous donne un petit peu une idée là sur. Mais moi, je ne le vois pas parce que je suis pas connecté, mais j'aimerais bien ça voir ça. Cette émission, ça va être disponible sur YouTube après. Si tu as accès à un ordinateur après, tu peux toujours voir toute l'émission au complet avec les plans à la fin. Puis, Parfait. J'avais Mme May aussi qui avait une question pour toi. Oui. C'était aussi le toit de l'école, là, c'est un toit, la couverture, c'est plat. Le contenant de l'eau qu'il y avait, c'était inondé, ça faisait des fois les cages puis tout. Alors, ça faisait. Ça va-tu faire la même affaire ou ça fait une autre, je sais pas, une autre voiture? Si je peux répondre, le toit, on va refaire un toit plat. Ça va être un toit, un nouveau toit plat avec des drains. Avec ça, c'est, présentement, le toit coule. Donc, c'est pas parce qu'il est plat, c'est juste parce qu'il n'a pas été entretenu ou il est à la fin de sa vie utile. Merci. Merci pour la réponse. Elle avait aussi une autre question. Oui, absolument. On est ici pour ça. OK. Bien, comme vous dites, l'école, ça fait longtemps qu'elle est passée. J'étais à cette école-là. Alors, moi, ce que je voudrais savoir, est-ce qu'il y a de l'amiante dans l'école, quelque chose? La réponse à cette question-là, c'est oui. Et puis, les processus de désamiantage avec les équipements de protection personnelle nécessaires sont utilisés pour faire ce genre d'ouvrage-là. Pardon? J'ai dit, je ne sais pas jusqu'à quel point je vais pas conclure, je vais recommencer du début. La réponse à la question de Mme Mir, je crois, oui, s'il y a de l'amiante ou pas, la réponse est oui. C'est un bâtiment qui a été construit avant 1987, donc la plupart des bâtiments contiennent de l'amiante. On a fait ce qu'on appelle un Designated Substance Report. Puis, on est conscient où sont les endroits qui doivent être désamiantés. Et puis, ceci est fait par des gens de notre firme qui sont certifiés pour ce genre d'ouvrage-là et avec les équipements de protection personnelle requis. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a d'autres commentaires ou questions? De chaque côté de l'école, c'est des nouveaux propriétaires. Je ne suis pas certaine qu'ils savent ce qui se passe autour. Donc, c'est dommage parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce qui se passe. Un amendement comme ça,
les gens, ils regardent ça, puis ils ne comprennent pas, puis ils jettent la lettre aux poubelles. Ils sont pas, ils savent pas ce qui se passe, là. Je trouve ça dommage. Ben, le monde... People still have time to express any comments. Until what date is the final date for them to express any concerns? We are going to welcome the comments until the 29th because the meeting is on the evening. So I could receive comments until Monday the 29th and. If I cannot add them to my recommendation, I can tell them out loud during the meeting. Okay, so il y a encore du temps pour faire des commentaires sur ce projet-là. Oui, je voulais aussi préciser que sur l'avis qui a été reçu, il y a les informations de Madame Longtemps, mes informations, donc mon courriel, nos numéros de téléphone avec nos extensions, ainsi que l'adresse de l'hôtel de ville si jamais les personnes souhaitent se déplacer pour donner leurs commentaires en personne. Merci. Merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres commentaires ou des questions, je pense qu'on on va terminer ça ici. Merci pour tout le monde qui a pris, qui a participé avec nous autres. Je remercie tout le monde. Puis c'est ça, ça prend une proposition pour la journée. Monsieur Bogue, secondé par Monsieur Lefebvre, tout en faveur? Non, juste une minute, excusez. Oui, monsieur Bocaté. Mon micro était éteint. Oui. J'aimerais aller visiter le terrain en compagnie de Mme Marion. Si elle peut, mon numéro de téléphone, je ne dirai pas en public, là, mais mon numéro est sur le site de la ville. Si elle peut m'appeler et me donner une journée ou puis une heure où est-ce que je peux aller puis visiter le terrain puis visiter les emplacements que. Comme du monde avec ça, mais je pense que c'est barré. Hein? Monsieur Asley, en arrière, on ne peut pas aller. Hein? Ben, il y a une petite craque là maintenant entre sur le côté nord du bâtiment depuis quelques jours. Là. Mais vous me permettez d'aller voir? Oui. C'est votre propriété. Je n'ai pas d'affaire empiéter sur votre propriété. Non, ce n'est pas un problème. OK, merci. Donc, Mme Mario, si vous voulez... Je vais vous accompagner, M. Paquette. Pardon? Je vais vous accompagner avec plaisir. OK. Puis, tu voulais m'appeler, vérifier si c'est de la ville, puis mon numéro de téléphone est là. Donc, vous pouvez me téléphoner, puis on se prendra un rendez-vous. Pas de problème. Merci. Merci. Merci encore tout le monde. Je pense qu'on a appris le vote pour la journée. Merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde, puis à la prochaine. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci beaucoup.